Bonsoir, bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir pour nous rejoindre une nouvelle fois pour nous présenter une émission pour faire la loi des décisions. Aujourd'hui, on a parlé de problématique urbaine, particulièrement de violence urbaine. Pour nous réfléchir sur ce sujet, ça, nous avons une opportunité de recevoir une personnalité, sociologue, docteur en sociologie, chercheur et écrivain, professeur à l'université. On parle de professeur Fritz Dorvilly, à qui nous disons bonsoir, bonjour. Professeur Dorvilly, bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir, Wester, Désir. C'est un plaisir, véritablement un plaisir pour moi avec vous cette fois dans cette émission. Ok. On a parlé de problématique de violence urbaine. En pile, dans nos semaines, dans six derniers mois, nous avons rendu compte que nous avons recrudescence de violence qui a fait dans le pays. En pile, côté de nous fréquenter habituellement dans la jeunesse, non, il y a certains temps, nous avons rendu compte que de plus en plus que les zones sont inaccessibles. Grand pile débat qu'a fait dans la radio, grand pile intervention qu'a fait, il y a de politique, du monde qui au niveau de la police qui a intervenu. C'est important, mais il y a un aspect qui ont été occulté, c'est l'aspect académique, l'aspect de recherche. Qui ça qui dit, qui ça communauté scientifique là dit sur ce qui a passé là. Est-ce que ça a déroulé dans différentes composantes, dans particulièrement dans les zones métropolitaines ou dans certaines villes de province? Est-ce que son fatalité liée? Est-ce que c'est le bon Dieu, les saints, les anges qui comptent nous? Ou bien c'est le choix d'organisation avec des déterminants historiques précis qui mettent nous dans la situation que nous avons? Voilà ce qui détermine l'objet émission ça. Pour faire conception à coordination émission ça, vous présentez au lit, c'est Wesley Désir. N'a pas un petit pause, n'a pas sous fin branché, je vous rappelle que vous avez suivi l'émission L'heure des décisions. Aujourd'hui, on a parlé de problématiques urbaines, particulièrement de violence urbaine. Invité à, comme on a dit avant, c'est professeur Fritz Dorvilly, qui est un docteur en sociologie, écrivain chercheur. On a partagé réflexion avec lui. Pour nous donner l'émission aujourd'hui, là, un petit exercice pour nous faire. Pour nous entendre violence urbaine, alors c'est deux mots, deux concepts qui constituent une notion, que la notion de violence urbaine, deux concepts, ça, on a défini. Là, on a parlé de violence urbaine, ça veut dire. Bon, violence urbaine, c'est dans le sens de forme, d'abord, son modalité d'habitat, c'est-à-dire d'implantation en groupe humain, parce que quand même, quand c'est l'urbain, c'est toujours en forme d'habiter l'espace, parce qu'il y a l'espace, il y a plusieurs formes dans l'espace au sens géographique, au sens physique du terme. Mm-hmm. Donc il y a l'espace, il y a plusieurs types d'implantation, modalités d'implantation dans l'espace, donc plusieurs formes d'organisation de l'espace. Dans la mesure où on organise l'espace de cette manière, de manière beaucoup plus rationnelle, avec une organisation volontaire, une organisation calculée, en quelque sorte, ce qu'on appelle actuellement l'espace urbain. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'activités propres à cet espace-là, il y a une forme bien particulière à cet espace-là, il y a une densité, c'est-à-dire que le nombre d'habitants par kilomètre carré est bien spécifique dans cet espace-là. Donc c'est une modalité, c'est un type, c'est une forme d'organisation de l'espace par un groupe humain bien déterminé. Donc, puisqu'on parle de l'urbanité, donc dans l'urbanité, il va y avoir des... Évidemment, je vous ai dit que c'est une forme calculée, une forme rationalisée d'organisation de l'espace. Donc, à ce moment-là, ça suscite, ça implique également le rapprochement des individus. C'est-à-dire que dans un espace beaucoup plus vaste, où les groupes sont dispersés, où les groupes, chaque groupe presque vit presque de manière en vase clos en quelque sorte. Or, dans cet espace-là qu'on appelle l'espace urbain, on va avoir la proximité. Les gens vivent à proximité de l'un l'autre en quelque sorte. Et les groupes aussi vivent à proximité les uns des autres. À ce moment-là, cela va engendrer, puisqu'il va y avoir l'interaction, des interactions sociales dans leurs activités, les activités propres au milieu urbain. À ce moment-là, puisque, comme l'a dit le sociologue Durkheim, il y a une double densité, il y a la densité morale, il y a la densité matérielle, puisque avec les deux, avec la densité matérielle, c'est-à-dire que l'augmentation du nombre d'habitants par kilomètre carré, cela engendre, cela intensifie les interactions entre ces individus-là. À ce moment-là, des frictions apparaissent, à ce moment-là, la violence, c'est-à-dire que des actes
qui porte atteinte en quelque sorte au physique même, au côté physique des individus, c'est-à-dire qu'on attaque personnellement les individus, leur corps, leur être en quelque sorte pour des raisons diverses et qui peuvent entraîner des conséquences diverses. Et la conséquence ultime de la violence, c'est évidemment le décès, c'est la mort. Donc la violence urbaine, c'est une violence en termes de contact qui a pour cause le contact beaucoup plus rapproché entre les individus, évidemment, la concurrence pour des biens, pour des services bien spécifiques dans cet espace-là. Donc, à ce moment-là, quand l'espace n'est pas bien régulé par une instance, soit par les groupes eux-mêmes, ou par une instance qui sous-tête le groupe Sayo, bon, qui, le plus souvent, dans les sociétés, évidemment, d'accès ouvert, qui c'est l'État, en quelque sorte, donc ordre social d'accès ouvert, qui c'est l'État, à ce moment-là, où vient joindre que la violence gagne du terrain, chaque groupe a lutté, chaque individu a essayé, prend sa loi, prend la richesse dans un bien qui est disponible, donc c'est ce qu'on appelle, évidemment, la violence urbaine. Donc, cette portée atteinte avec individu, soit bien lit, soit corps lit, etc. Thomas Minkoff, dans un rapport intitulé « La ville mondiale comme concept moderne », il a dit, et je cite, « Dans le monde occidental comme dans le monde en développement, cette emprise croissante de la ville qui vampirise les espaces vides à sa portée apparaît comme une menace, d'autant que partout se pose la question de la gestion des mégacités avec son cortège de problèmes, mal ou non résolus, en matière d'environnement, de cohésion sociale, d'infrastructure, déchets égouts et de transport. » Fin de citation. Ça, assertion, ça dit pour... Oui, mais c'est exactement ça. Ça résume en quelque sorte. Ça résume, ça me saute dit. Hein, parce que ça pourrait... Il faut avoir deux éléments, ça, dans perspective, ça. Où on, l'élément, l'espace physique, ou l'élément implantation, le vécu dans cet espace-là par un ensemble d'individus. Mais ça qui ne veut pas poser problème, c'est que quand espace-là a pétanni au fur et à mesure, donc avec l'explosion démographique urbaine, la croissance urbaine, c'est-à-dire que la croissance, le nombre d'habitants qui vivent, en quelque sorte, dans l'espace urbain. Le taux de croissance, par exemple, en Haïti, on a un taux de croissance urbaine de l'ordre de 40,82%, etc. Donc, c'est vous, un pays qui plus urbanisé, en quelque sorte, capable de dire, en région. Donc, à ce moment-là, on voit que le nombre d'individus qui vivent l'espace, ça, c'est que un espace qui gagne 2000 habitants, une ville de 2000 habitants, pas même gens avec une ville de 2 millions d'habitants. D'autres, parce que même en termes, premièrement, d'activité, donc qui dit activité dit interaction, et depuis qu'il y a interaction, ça au cas, évidemment, qui a débouché sur des problèmes d'anomie, de non-respect de l'ensemble de normes qui facilitent le monde, ça au vivre en commun, de gestion même de ces rapports-là, de gestion des biens et services dans cet espace-là. Au fur et à mesure que densité, population, c'est-à-dire que le nombre d'habitants par kilomètre carré a augmenté en dedans espace-là, donc il impliquait ensemble de problèmes. Parmi problèmes, ça y est, c'est problèmes de gestion urbaine, gestion de l'espace, donc gestion des services, les services, gestion de, en termes de sécurité, donc de régulation, de rapport entre Mounsao, de rapport plus ou moins pacifique, gestion de la répartition des biens et des services dans cet espace-là, gestion des déchets, évidemment, produits par les activités de ces individus-là. Donc, c'est un ensemble de problèmes qui sont inhérents, en quelque sorte, à la vie urbaine. Donc, parce qu'il y a proximité, il y a augmentation de la densité de la population, il y a plus de monde qui vit sous l'espace-là, donc il y a plus d'interaction, il y a plus d'échange, en quelque sorte, donc il y a plus de friction. Même des études qui ont été faites sur des animaux, sur des rats, où on a remarqué qu'au fur et à mesure que densité rate augmente dans l'espace-là, il devient beaucoup plus violent, parce qu'il n'a pas besoin assez de ressources, et que frottement, ça y est, relation, exiguïté de l'espace-là, impliquait évidemment des problèmes en termes notamment de violence. Youn a fait sur l'autre, mais le groupe a fait sur l'autre groupe, pour évidemment, par rapport avec Puyo, qui est espace privé, parce qu'il ne faut pas oublier tout, l'espace, ça y est, parce que l'urbanisation, les parallèles avec la question de l'individualisme, dans tout. Bon, c'est-à-dire que l'espace a venu plus de monde, chaque monde a plutôt pour tête, Youn parle
qu'on loue pour l'autre parce que où l'on ordre social civilisé, ordre social accès ouvert, évidemment ou pas un ordre social d'accès limité, pas chaque monde avec force pas propre force pas cap goumen pour prendre bien pour prendre service là. Avec une régulation des services, des institutions de régulation de services, qui fait que on prend bien suivant statut, suivant formation, suivant type de travail que fait. Donc, on régularise aussi, on régule les interactions au sein de l'espace urbain par rapport à l'activité laborale, par rapport au travail, par rapport aux professions, par rapport aux rapports qui existent entre les diverses branches d'activités économiques. Ça va poser problème, c'est que c'est là que dans l'espace ça, évidemment, pas qu'il y a un ensemble d'individus, une densité très élevée d'individus, or pas qu'il y a assez d'activité en dans l'espace ça. Donc, à ce moment-là, ça va créer beaucoup plus de violence encore. OK. En 2012, dans la revue Les Cahiers du CPOD, où vous publiez un article qui porte le nom L'habitat ou l'espace type, et si théorique introductive. Et là, où vous font énoncer, qui dit s'il est en effet certain que la forme physique d'organisation de l'espace agit sur les comportements des populations, individus ou groupes, il n'en demeure pas moins vrai que les acteurs sociaux en retour peuvent produire d'un point de vue à la fois cognitif, symbolique et matériel, leur lieu de vie, leur territoire et leur habitat. Qui situé ça ou dit là dans le contexte actuel, là, comment on va garder ça, nous allons continuer à développer parce qu'on avance toujours, et là, c'est des références théoriques pour nous permettre pour nous comprendre un petit cas, ça va passer là. Expliquez-moi. Ça que tu dis dans l'article-là et contexte particulier dans lequel on a évolué là. Oui, ça me dit c'est que c'est son recension de la littérature que lié, c'est une note introductive que lié par rapport avec Numéora qui portait sous question population et habitat notamment. Parce qu'on connaît qu'en Haïti, il y a une institution qui occupe le sens, c'est l'IHSI qui fait de contrôle, de Kabdou, qui est de décompte de la population, qui c'est le recensement général de la population et de l'habitat. Donc, ils font un numéro sur la problématique de l'habitat en Haïti. Comment on habite le territoire cela? Il y a un ensemble de textes publiés déjà, notamment en géographie, on connaît le texte de Anglin, évidemment sur l'évolution de l'espace. L'espace haïtien, texte désormais classique, évidemment, de Georges Anglade. Donc, il y a l'autre texte encore qui est publié sur l'économie spatiale, ou il y a le texte de Paul Moral, ou un ensemble de textes aussi de Rémi Bastien, le texte d'anthropologie, de sociologie, d'économie, de géographie sur la question de l'habitat. Mais ça me dit, c'est que faut que le sens de Kabdou que une relation bifonctionnelle aller-retour entre individu entre moon avec espace. C'est que au capable non relation ça ou bien dominé par forme espace là par nature espace là par exemple en région qui fait très fret. On voit que, d'ailleurs, il y a des caractéristiques physiques au fil de l'évolution de l'être humain, évidemment, qui découlent directement de nature et espace. Tout comme l'espace qui fait chaud, par exemple, en Afrique, on voit que caractéristiques physiques mondiaux découlent au fil de l'évolution, évidemment, théorie de l'évolution, en quelque sorte, on voit qu'il est adapté par rapport avec lui. On voit que la façon mondiaux habiter l'espace-là, ce n'est pas véritablement son choix, c'est parce que l'espace-là n'est que façon ça plus habité. À ce moment-là, ou pourquoi l'on a époque de pour dompter espace-là, on a époque pour soumettre espace-là. Puisque nous passons de stade, l'or pourquoi qu'à soumettre espace-là, c'est que l'espace lui-même est conditionné, genre habité, est conditionné au ensemble d'interactions, au ensemble de relations entre les individus. Bon, après, je viens plus tard, je me dis que c'est que les dispositifs spatiaux, il doit son chemin, il doit son route, il doit son montagne, il doit son rivière, il doit son fleuve, etc. Un ensemble de dispositifs spatiaux qui est déterminé, qui j'en mouille pas habité, qui a même agi sur comportements individuels ou comportements entre plusieurs groupes qui évoluent dans cet espace. Ça, de même, au capable gain, tout comme nous-mêmes, nous c'est d'être raisonnable. À ce moment-là, nous-mêmes, nous avons cherché un moyen pour nous soumettre l'espace. Or, l'espace urbain, c'est l'artefact par excellence. C'est l'espace construit par excellence. Parce que sur l'espace refait, on fait des rues, on trace des rues au cordeau, on fait des zonages, on fait de métro, de plusieurs types de transports, on fait des zones d'habitation, des zones industrielles.
Et il y a plusieurs types de quartiers avec d'autres dispositifs. On choisit, mettez, où est-ce qu'on peut placer les hôpitaux, les écoles, les industries, les centres sportifs, etc. Donc il y a cet espace construit. À ce moment-là, ce n'est pas l'espace qui agit sur l'individu, mais l'individu, avec raison que le gagne, il cherche un moyen pour le construire, pour le bail forme, que le réfléchir, pour le bail forme, que le vle. La dimension symbolique, c'est-à-dire que pour le bail caillot, style levé. Ou bien, on regarde Paris, ou on regarde Montréal, ou on regarde New York, ou on regarde même, ouais, c'est pas le même type de maison, ouais, pas le même type d'architecture. C'est la dimension symbolique qui sont dimensions qui sont bagaille volontaire, bagaille esthétique. Évidemment, comme un grand urbaniste historien Camillo cite, l'art de bâtir les villes, on peut côté éléments d'esthétique, ça y est, éléments symboliques, ça y est, tout comme des éléments matériels en termes de tracés. Des villes ont aussi des incidences sur la vie en commun dans cet espace-là qu'on appelle l'espace urbain. Ok. Alors, ou poursuivre dans le raisonnement dans l'article-là, ou dit que ou, bon, l'autre élément que nous parlons soumettre à appréciation et à appréciation publique-là, on dit que par conséquent, d'autres approches géographiques moins radicales, systémiques, humanistes, critiques, régulationnistes, ont été d'appréhender la problématique de l'espace sous des angles beaucoup plus larges. Et là, on recourt à un ensemble de théoriciens qui travaillent. On a parlé d'Alain Lipiz, on a parlé de Roger Brunet, on a parlé de Henri Lefebvre, ces deux théoriciens. Et ou bien prendre, ou prendre un géographe, un économiste, et puis un sociologue qui travaille sur la question de géographie et qui intéresse tout à la problématique. On a parlé de matérialisme historique. Bon, ce n'est pas obligé pour nous pour ça. Ou construire un profil, Mounio. Mais. Ça a dit, parce que c'est une démarche, ça a fait un moment, c'est permettre mon yo garder fond de théorique en attendant nous entrer dans un problème. D'abord, ça a été dit, et ensuite, choix de personnalité, ça a été des théoriciens, ça a pour asseoir le résolument qu'on a fait. Oui, c'est en fait, c'est comme si on restait sur la littérature que lié, on revue de la littérature, c'est en façon pour un, et comment est-ce que, dans toute recherche qui fait, ou font forme d'idéal type, ou disent qu'ils ont rassemblé, mais tel groupe, comment on voit espace là, tel autre groupe, on voit évidemment les géographes, quel type de géographe, purement géographe, de géographe économique, de sociologue géographe, il y a plusieurs angles qu'à aborder espace urbain. On peut aborder espace urbain par rapport à ça, nous sommes dit là, sous un angle purement matérialiste. Est-ce que son espace qui montagneux? Est-ce que son espace qui gampille de l'eau? Est-ce que son espace qui froid? À quelle altitude? C'est-à-dire que les coordonnées de cet espace-là, on est capable de garder le tout sous un angle humaniste, la manière dont les gens occupent l'espace, habitent l'espace. Quelles sont les pensées qui s'articulent pour pouvoir donner vie à l'espace, donner une forme à l'espace, au cas abordé, sous un angle évidemment économique, pour que dans cet espace-là, est-ce que l'espace-là organisé pour des besoins économiques, sur des espaces qu'on appelle en géographie économique, en espace fonctionnel, est-ce que l'espace-là a organisé pour des besoins plus ou moins de vie familiale, son ville, côté qui par exemple l'industrie, ou bien son ville, côté que c'est des artistes, des designers, c'est des marchands de tissus, dépendamment, qui activité principale qui gagne dans l'espace urbain ça, et comment activité principale ça, participer dans l'orientation de construction espace ça lui-même. Et qui, au cas abordé, sont en critique aussi, en critique pour que comment est-ce que l'espace urbain participait dans ensemble de problèmes. Côté, par exemple, si je vois on approche au cas du marxisme même, qui dit que l'espace urbain, c'est un espace qui est propre au capitalisme, en quelque sorte. Parce que, évidemment, l'urbain a existé avant même le capitalisme, mais le capitalisme, ce mode de production-là, joue tout fondement dans l'espace urbain. Parce que quand même, la transition économique qui a été faite est une transition du rural à l'urbain, donc de l'économie agricole, qui est une économie purement rurale, vers une économie industrielle. Or, l'économie industrielle, c'est une économie urbaine. À ce moment-là, on voit que l'urbanité est associée au mode de production capitaliste. Donc, vous voyez, toute approche ça, pour voir comment, évidemment, globalement, font synthèse, comment comprendre, comment expliquer la vie, l'habitat, en quelque sorte, les interactions. On peut dire la communauté urbaine, comment expliquer la vie en communauté dans l'espace urbain. Ok. Alors, là où il vient dans l'article sous partie haïtienne, on dit concernant l'espace haïtien, plus particulièrement, il s'est inscrit et se retrouve dans la dynamique spatiale totale. Il est l'œuvre de groupes, de classes, d'individus qui l'ont habité.
il a donc été territorialisé, c'est-à-dire physiquement, socialement structuré. Dans le temps, selon les besoins, les intérêts et la volonté de ses différents habitants, il a connu trois principaux types d'aménagement, plantationnaire, ségrégo-fonctionnel et anarchique. Là, on a parlé de spécification territoire haïtien. En attendant, nous entrer dans le sujet, mais j'ai besoin de faire un petit... Ça m'a cap dit, permettre de nous suivre une démarche théorique pour mieux comprendre le sujet. Je vous dis là, expliquer mes typologies, ça, c'est m'a dit, comme ça, qu'on établit pour l'espace haïtien. Oui, bien content, parce que quand même, ça fait longtemps que m'écris un papier, je suis bien content de retourner sur ça, parce que m'a pas un peu sous, parce que moi, ça me désire, c'est tellement, c'est pas pour me vanter, mais c'est tellement bien typé, en quelque sorte. C'est-à-dire que plantationnaire, l'espace plantationnaire, on n'a pas beaucoup fait l'histoire, l'espace plantationnaire, c'est-à-dire que l'espace de Saint-Domingue a été organisé d'une manière bien spécifique, en vue de l'économie plantationnaire, de l'économie de la plantation. C'est-à-dire que son espace qui n'est pas véritablement urbanisé, son espace de culture, son espace d'exploitation de, de culture, culture de café, culture de la canne à sucre notamment, de sisa, d'indigo, etc., de produits de matières premières agricoles. À ce moment-là, cette exploitation, parallèlement à cette exploitation agricole, venait de zones relativement de forte densité, qui sont des zones urbaines, mais de petites villes côtières. Donc ces villes côtières-là ne servent que relais pour les produits d'exportation, en quelque sorte. Café, cacao, canne à sucre, évidemment, les produits dérivés de la canne à sucre à ce moment-là, villes de transit. La plupart des villes haïtiennes, les villes côtières, les grandes villes haïtiennes sont des villes qui sont des villes coloniales, en quelque sorte, qui sont issues, qui sont dérivées du mode de l'implantation plantationnaire. Ou pas jouer l'autre espace là encore, côté que deuxième type. On parle du ségrégo fonctionnel. Ségrégo fonctionnel, comme ça, tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace fonctionnel, côté que même ville ça y a hérité de l'économie plantationnaire, il pourrait servir évidemment, une fois l'indépendance acquise de haute lutte, ou pas jouer que ville ça y a gardé en partie de fonctionnalité. Côté c'est de ville qui, économique, évidemment, parce qu'on parle d'économie agricole, quand on parle de deux classes d'individus, on classe de rentiers, on classe de cultivateurs. Classe de cultivateurs, ça, à vivre dans le milieu rural, et classe de rentiers qui vivent des produits cultivés par les paysans, qui vivent dans le milieu urbain. Or, milieu urbain organisé de cette manière-là, quand il vient ségrégatif, parce que tout simplement, l'autre catégorie qui a produit à l'immeuble, il n'a pas accès véritablement à la ville. Qui dit accès à la ville, dit accès aux dispositifs urbains. Dispositifs urbains, les principaux dispositifs urbains, c'est-à-dire que pas d'accès évidemment à de tracés, d'espaces tracés, d'espaces régulés, de services comme l'éducation, comme la santé, comme la fonction publique, comme qui sont évidemment et accès évidemment au lieu du pouvoir, de l'État central en quelque sorte, sont espaces que t'es ségrégatifs en dedans ça, parce que ville parce que est presque homogène, son classe de monde qui vivent dans la ville ça et que l'autre classe non, la classe des paysans est tout à fait exclue de l'espace urbain, même s'il y a travail évidemment pour y envoyer le produit dans l'espace ville là pour eux-mêmes les exportateurs en quelque sorte, les négociants pour que eux-mêmes yo expédio dans l'autre pays aux États-Unis, en Europe, etc., et qu'ils ont acheté d'autres produits pour venir revendre. Ça, c'est l'espace de ségrégation, ça. Au fur et à mesure, c'est ça. Georges Anglade montrait tout côté que son espace qui vit au dépend de l'espace rural. Mais troisième, on fait vite, hein, parce qu'il y a plus d'explications. Troisième type. C'est l'espace anarchique. Et c'est pour ça que vous venez une ville, ça, non seulement il y a gardé aspect colonial, même le tracé colonial, c'est une ville qui est tracée au cordeau, comme la ville d'Écaille, la ville d'Agonaïve, de Fort-Liberté, évidemment, le centre-ville de Port-au-Prince, ces villes-là, ces villes coloniales, qui c'est de lieux de transit, de produits des esclaves, mais il ne faut pas le garder, il ne faut pas le quimber, fonctionnalité, ça. Côté, il y a toujours continué à exporter, mais dans un contexte d'indépendance nationale, de gestion en quelque sorte autonome par le pays, par le peuple même. Mais le fait est que, au passé de l'espace de ségrégation fonctionnelle là, à un espace anarchique, c'est que faut pas oublier que parallèlement, c'est que tracé aurait été, donc c'est-à-dire que la forme première donnée à la ville demeure, mais la population ne cesse d'augmenter. Okay. Après l'indépendance, on a eu tout simplement 500 000 habitants.
avec les ravages causés par la guerre de l'indépendance, qui a duré plus d'une dizaine d'années, évidemment, la guerre d'indépendance, les maladies, etc., les tueries provoquées lors de ces guerres-là, population réduite. Il y a de très beaux travaux réalisés par Michel Auriol sur cette question-là, sur, évidemment, la démographie de Saint-Domingue, l'évolution de la population à Saint-Domingue, corrélativement avec les guerres, les maladies, la fièvre jaune, etc., etc., le taux de mortalité qui était très élevé. Donc 600 000 habitants, ou par le passé, à presque 8 millions d'habitants en 2003. C'est-à-dire que, parallèlement, c'est que d'un côté, l'espace urbain demeure fonctionnellement stable, puisque l'économie transition pas faite, ou bien deux transitions pas faites, ou bien transition économique pas véritablement faite, c'est-à-dire que parallèlement, ou bien la ville et la campagne, or la ville ne fonctionne pas, l'urbain ne fonctionne pas, la campagne ne fonctionne pas, c'est-à-dire que, mais, c'est que une stagnée, ville-là, pas véritablement évolué, puisque transition économique n'a pas faite du rural, de l'économie agricole, de l'économie rurale agricole, vers l'économie urbaine industrielle. Ou pas jeune de industrie véritablement dans la ville. Seul bagaille qui vient changer dans la ville, dans l'espace urbain, c'est la densité de la population. Okay. La population augmente, c'est ça qui prend le bord, ça mêle l'espace anarchique, côté que tout reste ville par évolue, non pas par rapport à théorie, on était dit tout à l'heure, il peut pas évoluer par rapport au calcul, par rapport à rationalité, par rapport aux besoins de développement économique, culturel, etc., il pourra évoluer seulement et simplement par rapport à un besoin d'habiter et provoqué par l'exode rural. Ok. Michel Wolff-Touyau écrit un livre Les racines historiques de l'État du Valérien. Monsieur dit une phrase qui est importante. Monsieur dit que l'État n'existe pas en dehors de ses bases historiques. Peu après l'indépendance, gon disposition, m'a parlé de février 2004, une disposition administrative qui est adoptée par l'empereur qui dit que faut construire 6 nouvelles divisions militaires et faut changer ville d'orientation. N'a pas suspendre construire sous côté, on va construire des villes intérieures. Et ça veut dire que l'empereur partit à une notion que ville a une fonction dans nouvel état haïtien que nous créons. Malheureusement. Et surtout en fonction militaire. En fonction militaire. De défense nationale. De défense nationale, parce qu'il parlait de création de 6 divisions militaires, il parlait d'une quantité forte qui pourrait créer sur l'ensemble pays. Donc, malheureusement, problématique urbaine, dans toute l'histoire du pays, sont problématiques relativement marginalisées, dans le sens que pas gagné une politique de développement urbain qui traverse l'histoire. D'ailleurs, de 1804 à aujourd'hui, nous avons construit 4 nouvelles villes. Nous construisons Marchand. Nous construisons Pétionville, Marchand en 1804, nous construisons Pétionville en 1831. En 1813, Pétionville prévoit construire Carrefour-Truitier. Il y a un plan, je ne vais pas changer avant, je ne vais pas voir le bas où il n'y a pas jamais réussi à faire. Il construit Belader sous-estimé jusqu'en 1946 et il construit Duvalierville qui est cabaret. Mais là encore, au regard du développement que ville prend dans le monde, ouais que nous étions très en retard par rapport au niveau de développement. Je dis ça pour me dire que n'a parlé de violence urbaine, ça veut dire que conseil de conditions historiques. Mais quoi l'autre condition historique qui est important tout. Réaliser que chaque prix d'enrées agricoles monte sur marché international, chuter sur marché international, là il provoque crise. C'est son facteur historique. Mais l'autre facteur historique là c'est que et Michel Wolff-Touyau dit ça dans le livre là que l'occupation américaine n'a gain pour méfait de provoquer un gros bouleversement dans le milieu rural là, dans mettre plus taxes avec qui sont corvées ya sous Mounio et dans chercher créer une perturbation dans foncier ya pour faire grande plantation une dynamique de spoliation qui fait qui provoque un bouleversement et qui provoque contrairement à la société yo qui provoque déplacement de population et puis Livine prend coup de grâce là avec Duvalier yo ou capter jeune ou pas de connaître, gain de fête qu'a fait dans Port-au-Prince, met un bon gros camion à boté monde toute ville de province pour porter ici. Ça veut dire que contrairement, c'est pas dynamique sociale là qui provoque changement, son changement provoqué par autorité eux-mêmes et il y a pas une réponse pour lui. Et jodi a on se dit la question anarchique là, li ba li. Par exemple en 1966, le a créé cité Simone, l'état créé cité Simone parce que gain une nouvelle orientation que apprendre économie, m'a parlé de orientation qui lié à question industrie sous-traitance là. Il y a besoin de main-d'œuvre disponible. Donc, il y a provoqué saigner dans le milieu rural pour faire mon ouvrier pour capable venir dans la périphérie de la ville. Mais, j'en suis dit là, la ville n'a pas de capacité d'accueil pour
bouleversement ça qui fait dans la démographie. Il bat nous, ça le bat nous aujourd'hui là. Comment ou même comme sociologue vous regardez dynamique ça? On parle un petit cas sans pile, je regrette, mais comment mes mise en contexte est important? Comment vous regardez nouvelle dynamique ça? Oui, mais son dynamique qui est propre avec évolution société, hein, qui est propre avec ordre social, ça, Douglas Neuf appelle un ordre social d'accès limité que nous y avons. C'est-à-dire que par exemple, ressources n'ont pas véritablement créé de ressources dans le pays hein, de 1804 à nos jours. Pas oublier que économie non, c'est une économie agricole, transition économique l'a pas faite, transition démographique l'a pas faite véritablement. Donc c'est pas seulement son villiopral déformé, villiopral anarchisé en quelque sorte, tout un espace chaotique par rapport seulement avec exode rural qui est provoqué par l'occupation américaine, mais le fait est que l'occupation américaine c'est un facteur yo qui provoque en quelque sorte, exode, nous pas dit déstructuration, peut-être déstructuration de l'économie morale de subsistance, de l'économie familiale en quelque sorte, mais c'est évidemment l'occupation américaine, t'es besoin aussi créer, provoquer transition, ça, la transition du rural à l'urbain. Peut-être qu'ils ont mal fait, ils ont fait avec brutalité, ils n'ont pas pris assez de temps pour faire, ils ont mis d'autres dispositif en place pour y faire, parce que quand même, ou pas capable de faire de grandes plantations, alors que pas véritablement, il y a d'autres dispositifs industriels qui mettaient en ville. Yo. Or, à cette époque-là, les États-Unis, c'est un pays industrialisé. Ville, tu commences à développer l'industrie, etc. Donc, très, très, pas besoin de commencer, très développé en 1915, les États-Unis, guettant, c'est une puissance, une grande puissance, évidemment, mondiale, de puissance industrielle, en puissance économique. Les États-Unis connaissent très bien qui j'ai un passage de la fête du rural à l'urbain. Et parce que la plupart de dirigeants américains, aussi des industriels, des inventeurs, des scientifiques qui ont été, ils connaissent très bien dynamique ça. Mais le fait est que l'économie rurale, en 1915, Sinapli, Paul Moral, Tegeta en crise. Ce n'est pas seulement économie, l'occupation américaine qui porte crise l'homme. L'occupation américaine vient chita amplifier crise d'homme. Chita, donc, ils ont amplifié crise l'homme. Mais l'économie rurale de subsistance, l'économie familiale, t'es guettant en crise. Parce que l'homme gardé ensemble de statistiques que Paul Moral Bao de production, ouais, production a baissé. Mm-hmm. Production a baissé d'année en année, mm-hmm. de décennie en décennie, mm-hmm. dans l'économie agricole, là, qui a plusieurs facteurs. Facteurs internes, facteurs externes de produits de substitution que pas besoin encore, mm-hmm. et que facteurs internes, côté que pas gain véritablement innovation. De 500 000 en 1804, et donc ça nous guette presque 2 millions. Exactement, et aussi évidemment l'augmentation de la population, c'est-à-dire que population augmentée, pas oublier que nous avons travaillé sur de l'opin de terre, donc c'est une forme de concentration tout, c'est-à-dire les grandes familles, notamment les familles militaires qui possédaient plus de terres, population, la masse de la population n'avait pas beaucoup de terres, c'est de petits lopins de terre qui travaillent au fil des successions, par été en rien encore. En 1915, et presque population travaille sur des mouchoirs de poche, des mouchoirs de terre, c'est-à-dire que chaque famille fait 12 enfants, fait 10 enfants, les enfants vont faire 8 enfants, les enfants vont faire 7 enfants, c'est-à-dire que le taux de natalité était très élevé, ce qu'on appelle la descente en démographie, la descendance finale, était très élevée. À ce moment-là, Théo, t'es venu vivre en limite, ou pas de partager encore, ou venu vivre en côté que, ou venu pas gagner assez de terre pour cultiver. Or, parallèlement, transition démographique. La transition démographique, là, c'est le rapport entre le nombre d'enfants qui naissent et le nombre de personnes qui meurent. C'est équilibre pour chercher les trois phases de la transition démographique. Pour la première phase de la transition... Non, on parle plutôt de transition économique. Là, dit que main-d'œuvre, ça qui est bien disponible. Là, il faut que l'autre prenne l'économie. Oui, évidemment, c'est ça la transition économique. Partout dans le monde, c'est ça. C'est-à-dire que la main-d'œuvre agricole qui est libérée, c'est-à-dire qu'il y a la mécanisation, il y a la concentration. Donc, main-d'œuvre, ça libéré, il faut la dans l'autre espace, c'est pas carité, parfois rien. Donc, partout dans le monde, la migration, l'exode, c'était ça, l'exode rural. Donc, on va en ville chercher du travail dans l'industrie, dans les manufactures, etc. À ce moment-là. Mais le contraire, c'est que parallèlement, l'économie agricole périclite, étant dégringolée, la population augmente, et troisièmement, pas gain industrie qui fait non milieu urbain, qui prend relais pour le bain mounio travail. Et mounio pas gain l'autre porte de sortie. Parce que même, quand on n'a pas de travail en milieu rural, il y a une seule porte de sortie, c'est la migration. La migration, bien la migration interne vers d'autres villes du pays, notamment vers la capitale Port-au-Prince.
Et la migration externe, à ce moment-là, commence la migration externe vers Cuba, après vers la République dominicaine, etc. Donc, c'était la porte de sortie. C'est Mounio Villavillo, il n'y a pas gagné rien pour faire, il habite n'importe comment. Or, l'État est faible, l'État n'a pas qu'à réguler, malgré l'existence de certaines lois sur l'urbain, sur le milieu urbain, l'État n'a pas contrôlé les terrains, de terrains vagues, on apprend de terrains au fil des années, il n'a pas occupé de terrains, population a augmenté. À ce moment-là, où vient gagner l'extension, premièrement, l'extension de la capitale. L'autre ville n'est pas tellement étendue par rapport. L'autre ville n'est pas commencé étendue à partir des années 90, évidemment. 80-90, mais après, Port-au-Prince commençait à étendre bien avant, depuis les années 50. Port-au-Prince commençait à prendre extension tout à fait chaotique. Merci. On a suivi l'émission L'heure des décisions. On a parlé de violence urbaine. Dans la première partie, nous avons plus fait une démarche, envisager une démarche théorique pour nous permettre de comprendre le contexte là. Regardez ça qui fait, nous avons fait un tour d'horizon avec M. Deville de l'article qui est publié en juin 2012 dans la revue Les Cahiers du CEPODE. Dans la deuxième partie, nous allons entrer d'emblée dans le sujet à lui-même et permettre de dégager une compréhension. Mais nous garantissons que nous ne pouvons pas épuiser le thème dans l'émission aujourd'hui. Donc, nous allons retourner avec d'autres scientifiques pour continuer à aborder lui. Mais dans la deuxième partie, nous allons commencer à esquisser. Il y a un rapport à la question conjoncturelle qui est. Drame que nous vivons au jour le jour, de violence qu'a fait de bon côté. Bah, nous, deux zones que nous fréquentons il y a 5-10 ans, très à l'aise, et je vous dis à là, de plus en plus, nous sommes obligés de nous replier sur soi, de ne pas déplacer, nous sommes obligés de limiter les déplacements pour nous capables, mais minimalement protéger la tête. Nous avons une petite pause, nous avons une.